parti, on va aller voir Monsieur Steve. Faire gaffe qu'il n'y a pas trop les keufs. J'ai pas trop envie de me faire amender. Ok. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que je peux vous aider? Je viens voir Monsieur Steve. Il m'a dit de venir ici. Oui, il est là, oui. Attendez, Ah, nickel. je l'appelle. Ouais. Wesh, c'est vous le gars pour moi? C'est ça, c'est moi. Alors, attends. Ah, BG, viens. J'enlève tout ça. T'as besoin de ta moto ou pas? Bah, j'aimerais bien que tu la custom si tu peux. Je sais pas si tu peux. Allez. Je suis un BG maintenant. Je l'ai acheté hier. Et dis-moi, Je l'ai acheté tu veux hier. quoi? Bah, je sais pas ce qui est disponible en custom déjà. Attends, Cosmétique. niveau cosmétique. Ouais, déjà, ouais. Alors, dans un premier temps, in the first time, Dis-moi tout. tu veux changer quoi? Bah, ça dépend ce qui est disponible parce que je sais pas trop sur cette moto. Tu veux que je fasse le tour? Ouais, voilà, ce sera plus simple. Ok. Plage arrière, ornement, il n'y en a pas. Levier de vitesse, on n'en a pas ici. Filtre à air, il n'y en a pas. Fenêtre, on n'en a pas. Alors, au niveau de la carrosserie, c'est au niveau de la cage. Ah ouais, ok. Ouais, enlève la plaque. Parce que ouais, c'est mieux sans plaque. C'est Ça plus coûte. stylé. Je te dis les montants à chaque fois ou pas? Ouais, vas-y, dis-moi au cas où, mais ça va le faire. Dès que je t'ouvre un devis comme ça fait 187 dollars. Ok. J'arrondis pas. Hein. Ouais. Je te la commande ou pas? Ouais, Parce que vas-y, j'ai tu pas de peux. dispo. Ouais, du coup, quoi de neuf? Bah, peut-être que tu m'as dit hier. Ouais, bah, on l'a croisé hier, mais je pense qu'il est juste venu comme ça. Après, je sais pas. J'ai quand même prévenu 06 et tout, parce que c'est la personne que j'ai la plus proche sur LS. C'est mon meilleur pote. Hein. Là, sur le garde-boue à l'arrière, Ah ouais, fais voir. j'en ai en carbone et j'ai le classique. Et j'ai celui-là en extension carbone. Celui-là, ouais, il est pas mal. Lequel? Celui-là? Ouais, le gros, ouais. Celui-là, nickel. Tac, il est à 337 dollars. Ok. Donc pareil en commande. Pas de soucis. Là au niveau des garde-boue avant, soit on l'enlève ou soit on met ça. Bon, laisse-le, ouais. Je vais y retomber un, ouais, voilà. Nickel. Après donc au niveau du pot d'échappement, on a le double pot à l'arrière Ok. ou le pot d'échappement fait pour la turbo.
D'accord, remontre-lui à l'arrière. Attends, il est où le pot d'échappement? Là, il est à Ah, il droite, il est a ta là au niveau jambe, ouais. des Mais ouais, des jambes. il est pas terrible celui-là, je trouve. Remets ceux à l'arrière. Là c'est le basique. Ok. Et là c'est le double pot carbone. Bah, mets le double pot carbone. Et du coup, lui 06, ça va. Depuis les trucs qu'il avait eu. Ouais, ça pareil en commande du coup. Ok. C'est tout ce que j'ai là-dessus. Après, tu vois, là sur les côtés, il y a des petites bandes. Donc tu peux changer les Ah ouais. trucs. Ok. Bah, mais Celui qui se voit là. ouais, voilà. Ça, c'est des petits autocollants, ça. Hop, je te valide ça. Ouais, après c'était la couleur aussi. Niveau du klaxon, non? Non, la couleur de la moto. Ouais, Eddie. Ah oui, la couleur de la peinture. Ouais. Ouais, peinture, j'ai la couleur. J'aimerais bien un... Enfin, je sais pas s'il y a primaire, secondaire ou je sais pas quoi. Et le nacrage, mais Attends, on va vérifier si elle... ouais. Donc t'as pas de secondaire. Ouais, c'est juste la primaire du coup, je pense. Ouais, t'as pas de secondaire. T'as qu'une primaire et un nacrage. Ok, bah primaire, j'ai pensé à un bleu nuit un peu. Attends, tu veux que je te la lave avant? Bon, ça va, moi je la vois propre. Ok. Là, il y a un bleu nuit, il y a un nacrage déjà dessus. Ok, ouais, c'est pas mal ça. Faudrait juste, je pense, enlever le nacrage celui-là et mettre un. Enfin, ça, c'est un nacrage, quelle couleur ça? Ça doit être rose, bizarre, Ouais. orange. Faudrait que tu mettes un nacrage, je pense, rouge pour voir. Ok, mais attends, ce que je peux faire, c'est que rien. Ah merde. Vas-y, vas-y. C'est ça que je vais faire. Ah, bah, j'avais le problème la dernière fois, je peux plus. Tu veux que je te valide quand même le bleu? Ouais, je veux bien quand même le bleu. Parce que la peinture, je peux te la faire aujourd'hui. Ouais, celui-là, voilà, c'était ça, voilà. Ah, du coup, sable nuit. Ouais, Et après, en et nacrage, un nacrage rouge. rouge pour voir ce que ça donne. Quel rouge? Un coquelicot. Alors là, aucune idée, faut voir ce qu'il y a. Ouais, en fait rouge ça fait rose, ouais, c'est pas terrible. Mais ce serait peut-être un peu de. Ah non, merde. Ah non, faudrait peut-être plus un orange pour faire rouge. Ouais, essaye pour voir, sait jamais. Non. Bah C'est comme ça le sinon, orange. ouais, ça fait toujours bizarre. Sinon rien de ça en acier Oui, au pire en gris laminé. acier ou. Truc qui fait bien. Là ça. Attends, lui il était stylé un peu. Ouais, ça faisait pas mal lui. Ça c'est du dolomite. Ok, bon, vas-y, mets ça. Ça fait ressortir en plus le bleu un peu. Non, c'est pas mal. Voilà. Après, au niveau des phares xénon ou pas? Ouais, je veux bien. J'ai une question, tu veux régler la facture aujourd'hui pour demain ou tu la payes demain? Je paye tout demain au pire. Parce que sinon tu me dois la moitié aujourd'hui, la moitié demain. Ouais, au pire, la moitié au pire. Ouais, Et attends. niveau. Je te les installe maintenant les Xenon ou demain? On Bon, fait un mets-les coup. maintenant si tu les as, comme ça c'est fait. Ouais, c'est mangé. Et niveau customisation moteur, tout ça. Au niveau de la plaque, tu veux pas la mettre sur un fond bleu du coup? Non, bah ça on l'avait enlevé ça. Ah oui, la plaque, Ouais. on l'a enlevée.
Ça fait mieux parce que là ça fait bizarre avec les trucs là sur le En côté. upgrade, tu veux quoi? Frein, moteur, suspension, turbo, transmission. Bah t'arriverais à me dire combien ça coûte si on fait tout, imaginons. Parce que je sais qu'on va. Je sais plus Tu me si. laisses 5 secondes et je te tiens. Vas-y, vas-y. Que je vois suivant combien j'ai. S'il faut que je demande une prime. Tu sais que tu l'as déjà acheté avec un moteur niveau 2? Ah bah chez Ampo. Bon, c'est bien ça. C'est le concessionnaire qui me l'a rendu comme ça, bah nickel. Alors, sans parler des custom, hein, là je te fais juste le prix de l'upgrade Ok. mécanique. T'es à tout full custom avec le turbo, frein, moteur, suspension, transmission à fond. T'es à 14 850. Alors attends. Et tu veux que je te dise, t'en as pour combien de custom? Ouais, voilà. Parce que là, je peux payer ça s'il faut, mais En dis-moi s'il custom, t'es à reste. 18, pardon, 1 855. Ah oui, bah vas-y, ouais. Paye, vas-y. Je mets les deux. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais me faire plaisir. Faut bien que je dépense un peu. Ouais, c'est hier, je suis allé au conseil, j'ai fait. Tiens, j'ai envie d'une petite moto. J'ai regardé les prix, celle-ci, j'ai vu qu'elle faisait un beau bruit. Elle était sympa. J'ai fait, allez, vas-y, coup de cœur, je l'achète. Et pour, j'avais raison. C'est sympa en bleu comme ça en Ouais, plus. tu veux le devis ou pas avec toi? Bon, vas-y, envoie-le-moi au cas où comme ça. Je vais la mettre à la peinture du coup. Vas-y, vas-y. Et je te commande tout pour demain. Pas de problème. Avec le temps que ça se peint, je te commande tout pour demain. Vas-y, vas-y. Ah bah dis donc, ils viennent souvent, hein, les Speedy. Ouais. C'est pas. C'est 59 ça, non? Je sais pas, 59 et 28. Il y a un bel article, hein. Ouais, enfin, après ça, s'ils arrêteraient de raconter de la merde et de montrer les vrais trucs, C'est ça clair. va. Bah écoute, je te mets pas les entêtes et tout parce que j'arrive pas à te prendre en photo bien. Ok, ouais, bon, t'inquiète. Bon, puis de toute façon, ça sera sûrement toi, je pense, demain soir. Ouais, je serai là. De toute façon, ils ont pas le droit d'installer sur mon devis. Y a une deuxième porte qui vient de tomber. Ok, bon, bah, nickel alors. On va attendre que la peinture colle. Et après, je retourne dans le nord bosser. Ah, tu peux m'envoyer un mail, je te trouve quelqu'un. Ouais. Steve. Ouais, je finis le devis de monsieur et je suis à toi. Merci. Aïe, aïe. Je suis tombé à ma place. Hein. Ah Wesh, bah. Rihanna, tu Pourquoi fais y a quoi quelqu'un qui est en là? train de. Je suis Ah, tombée. t'as Ah. reçu? Tombé d'où? Mais je suis tombée par terre, Est-ce c'est que vous tout. connaissez l'expression filet Ça. du mauvais coton? Filet du mauvais coton? Ouais. Non. Tu veux un bisou J'ai fait de la magique? Ou couture, vous mais saignez du non, nez? j'ai Vous saignez pas. du nez? Tu veux un bisou magique? Attends. Vous Non, saignez je du nez? sème pas du nez. Si!
Vous voulez un bonbon? C'est mignon. Ah, oh. Casse-toi avec tes bonbons, Pourquoi tu as fait une bonbon? C'est trop mignon. Mike, qu'est-ce que t'en penses? Tu t'en bats les couilles, toi? Bye. Non mais ça va pas là, c'est trop... quoi ce zoo là? C'est trop dis-moi, 27 et la meuf là, ta patronne, hein, c'est pas un très beau couple ça? Non, j'ai aussi ça de parler comme... Chuchote-moi. C'est tellement comment il parle, j'ai envie de le frapper. Ça, je dirais pas un mec qui veut se fermer mais qui arrive pas. C'est du viol quand même, hein, ce que tu viens de faire. Il y a une plainte à déposer ou une plainte? Là, c'est on m'embrasse comme ça, sans mon autorisation. C'était un bisou magique. Mais non, putain, 27, c'est mon job ça normalement. C'est des journalistes, ils l'ont dit. C'est pas ton copain. Okay, c'est ton job. Ah oui, excuse-moi. Pardon, 059, pardon, je te laisse là pour le job. Je peux lui proposer des choses. Ah, ok. Sous-entendu, hein? Moins de 18. Qu'est-ce que c'est que le sous-entendu là? Non mais là, je sors. Ouais, pas de soucis. Non mais arrêtez de sortir vos armes là, moi j'ai peur. Allumez le feu. Je reviens, je suis en plein entretien là, d'embauche, donc je reviens. C'est la débauche. Attends. Elle casse les couilles. Peut-être que tu parles comme ça là. Tu vas la recevoir là. Bah alors là, touche-moi un cheveu. Tu peux prendre ta moto et tu peux casser la bouche. Okay, surtout que j'ai rien fait. Dans les mêmes heures, comme ça au moins. Ok, bah je serai là. Ok, pas de soucis. Vas-y, à plus tard. T'appelles si t'as besoin. Ouais. Je suis blessé. Ich. 3, 2, 1. Yop. Ah. Bon. Est-ce qu'il y a encore du monde à la course? Est-ce qu'il y avait une course? Ah, bah oui. Alors. No whisper target found. Ok, on verra bien. Parce qu'en fait, ils ont pas le droit de faire un événement dans le nord. Je sais pas s'il est au courant. Bon, je pense que si. En bas. Ouais, non mais c'est bonjour. Ça. Autant la courroie, ça devrait passer. Hein.
Là, je crois qu'il faut vous montiez dessus, monsieur. Voilà. Ouais, 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 elle est bien. Hein. Avant, ils sont après, dessus, je crois, normalement. Hein. Non, il me semble avant, mais... C'est juste... Moi, je... Ouf. Non, non, c'est... Merci. Ah, un shérif, bonjour. Vous bonjour. Très bien, et vous? Ça va très bien, ça va. Madame Grayson, Je sais pas ce qu'elle fait. D'accord. Quoi? Ah, ok. Je peux vous parler deux petites secondes? Oh putain, pourquoi vous voulez toujours me parler? Bah, c'est pas de ma faute, hein. Mais sinon, moi je m'en occupe, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, vas-y, occupe-toi de la course, moi je... Vas-y, vas-y. Ok. Dites-moi. Ouais, je sais pas si vous saviez... le shérif adjoint avait ordonné que vous n'ayez plus d'événements dans le nord. Alors sans... non, je ne savais pas et je m'en contrefiche. Sans l'accord. Non, je m'en fous. Voilà. Étant donné que le gouvernement m'a autorisé, le shérif, ses adjoints et tout le reste là n'a aucun droit d'interdire les événements. Voilà. D'accord. Bah après moi c'est juste le shérif adjoint qui m'avait dit de venir. Oh bah alors là lui après, qui allait se faire enculer, voilà. D'accord, bah, pas de problème. Après si le gouvernement a dit ok, bah c'est ok, pas de souci. Oui, bah en fait, je vous le dis, hein, c'est pas du tout au shérif ou quoi que ce soit d'intérieur des... C'est pas... Enfin, ils sont pas maires de la ville ni au gouvernement, donc ils ont aucun droit en soi d'interdire tel ou tel événement. Ok, bon, bah nickel, alors. Moi, ça me va. Parce que ça me faisait chier de l'annuler ou de vous faire payer une amende, alors. Ça me va. Oh non, bah, de toute façon, il n'y a aucune amende à payer, étant donné que... Ouais, bah non, mais c'est bon, du coup. Le code pénal, il y a aucun de vous deux qui participe, on est d'accord, messieurs, aussi. Vous, monsieur. Bah c'est good alors, nickel, non, okay. Et vous participez? Non, je participe pas. D'accord, bah c'est parfait, on va recommencer. Pourquoi y a quelqu'un monsieur BCSO là? Oui. J'ai un souci, je peux vous parler? Oui. Par rapport à la Fédé. Vous êtes qui? C'est vous monsieur Duval? Ouais. Ah oui. On m'avait dit que la fédérale c'était un peu aussi pour blanchir mes conneries. C'est et ça. Que à ma sortie de fédéral, on allait me retirer la grosse amende qu'on m'avait mis, et que si je me tenais à carreau, je pourrais même possiblement passer le PPA, sous certaines conditions. C'est ça. Et on m'a pas retiré l'amende parce qu'il n'y avait aucun personnel du BSSO en service ce jour-là, lors de ma libération, car vous étiez en RTT ou en grève, je crois. On avait des RTT à prendre. Et du coup, le SPD s'est chargé de moi, et le problème, c'est que j'ai toujours mon amende, mais je peux pas la payer. Ouais, je comprends. Faut que je joue avec le shérif adjoint, vu que c'est lui qui gère ça. Je vais lui envoyer direct un email, et direct, quand lui sera en ville, il vous convoquera, il verra avec vous, du coup. Ce sera plus simple. Je vous remercie. Vu que c'est lui qui gérait les amendes, etc., vaut mieux. Ok, très bien. Moi, je fais ça. Et vous faites la sécurité ici, ou maintenant? Non du tout, j'étais venu voir Madame Grayson juste pour voir. Mais non, de toute façon, je suis tout seul alors, je viens juste voir ce qu'ils font. Il y a un mec qui a triché. Et vous participez pas? Non, moi je participe pas cette fois. Ah. Bon.
tricher ou pas? Du coup, moi j'ai pas pu voir de personnes qui trichaient. Je laisse autoriser les coups de pied juste à moto. Quoi? C'est autorisé. Bah non, les motos, c'est, bah, c'est clairement pas fair play. Bien sûr, c'est pas autorisé. Qui a fait ça? Bah, je sais pas, il était habillé en débardeur ou en gris là. Après, y a pas de soucis, hein. Si vous voulez qu'on commence à donner des coups de pied, bon. Bonjour. Il est pas là, votre collègue Steve Cott? Non, il me semble pas, j'ai croisé aucun de mes collègues. Ah ok, parce que j'avais un devis avec lui, il fallait que je repasse hier, mais j'ai pas eu le temps pour une amélioration d'un véhicule. Mais au pire... Non, de ce que je sais, je serai le seul mécano disponible dans la soirée. Ok, bon, au pire, j'attends. À moins que ça change, hein, mais voilà. Ouais, pas de problème, c'était au cas où. Dites-moi, vous tombez assez bien, vous êtes là, vous serez disponible après l'événement, là, par hasard? Je pense, ça dépend. Je pense que oui, si... Si rien ne m'appelle, oui. J'aimerais déposer plainte. Ah bah pas de soucis, je serai là. Bon, ce que vous faites, c'est bah, qu'une fois que tout ça s'est fini, parce que moi je partirai en patrouille, vous allez au BCSO et vous faites un appel. Et vous dites, bah, c'est le mécano pour la plainte et j'arriverai, si je suis pas et sur quand, le lieu. Quand vous me dites vous faites un appel, c'est je vous appelle avec le standard sur place ou vous envoie un SMS? Envoyez un SMS, c'est plus simple. Ok. Voilà. Et vous répondrez si vous êtes disponible? Voilà, c'est ça, je vous répondrai, je vous dirai que j'arriverai. Ou s'il n'y a pas de nouvelles, bah, c'est que je suis pas là, mais je pense que je serai toujours là. Ok, bon, bah, très bien, merci. Il n'y a pas de souci. Bah, à tout à l'heure, peut-être. Ouais, et c'est une plainture. Bah, on en parlera à ce moment-là. Pas si de souci. Se révéler à nous. En fait, il y aurait deux tricheurs ici, là. Non, non, il a putain, pas triché. Alors, il a pas triché. Oui, voilà, avec le casque blanc. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est lui, moi, triché. Je l'ai poursuivi, moi. Mais c'est qui? Sinon, c'est on qui a. Je sais pas, c'était un mec qui était en vert, il l'a coupé direct à gauche et voilà. Pourquoi ça me surprend pas? Tout le monde se tait, si voilà. Bon, on va se barrer, de toute façon on n'est pas là pour faire la sécurité. On va aller changer le véhicule, ce qui est un peu capoute. Bonsoir monsieur l'agent. Bonsoir. Ouais. Est-ce que vous savez s'il y a des médecins en ville ce soir? Dans le coin? Pas du tout. Vous savez pas? Ok. Bon, j'ai contacté tout à l'heure par radio et personne n'a répondu. Ah merde, ok. Ouais. Bon. Pourquoi c'est urgent? Non, je sais pas, j'ai un peu mal au crâne. Je commence à avoir un peu flou. Au pire, essayez de passer à la pharmacie. Hein. Ouais, il y a des médicaments à prendre à la pharmacie qui marchent bien? N'importe lesquels? Je pense que oui, après j'ai jamais été encore pour l'instant, mais je pense que oui. Ok, merci du conseil, je vais aller faire ça. Mais de rien. Du coup, c'est fini votre course, ça y est? Ouais, ça vient de finir. Oh, ça va, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu des petits soupçons de triche et, ouais, bon, ça, et des petites querelles, mais voilà, c'est ça. Et du coup, c'est qui a gagné? Je sais plus qui a gagné, moi j'ai fini deuxième et... Ça va. Et après, un des mecs en vélo a fini troisième aussi. Ah ok, bon ça va, c'est cool. Ouais, c'est un Alvaro Capote, un truc comme ça. Ah ouais, voilà. Ok. Bah, non, mais ça s'est très bien passé. Hein. Je vais profiter avant que le camion arrive. Hein. Allez-y. Non, bah nickel. Hein. Et si les gens étaient contents, c'est ce qui compte. Hein. Exactement. Ouais, franchement, on s'est bien amusé. Non, j'ai oublié leur voiture, là. C'est qui est venu avec cette voiture? C'est pas les Gibson? C'est Gibbs. Et ouais, c'est un des deux ou... Si, je crois que la voiture appartient. Je crois que c'est la voiture de d'un des Gibson. Bah attends, je vais l'appeler. Je sais pas. Non, parce qu'après, on va encore nous engueuler parce qu'il reste des voitures. Ah oui, MDR. Hein. De toute façon, on nous engueule pour tout et pour rien. Hein. On est les boucs émissaires de la ville. Grave. Hein. Ah, il en faut bien. Hein. C'est ça. Ah là 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 là. Et vous, ça se passe bien? Bah ouais, tranquille, hein. Tranquille. Allô? C'est très calme en ce moment, non? Ouais, c'est calme.
Ah, il y en a aussi, qui, certains qui sont des RTT, tout ça, vu que bah ils ont jamais pris de jour de repos, du coup bah, ils en profitent un peu. Ouais, et ouais, c'est assez calme. Bah, même nous c'est calme, mais franchement, le nombre de personnes qui avaient à l'événement là, c'est. Ouais, bah ouais, j'ai vu ça, bah, c'est ça cool. Nous a fait plaisir quoi. Ouais, non, c'était franchement très cool. Et vous savez si le garage au nord va rouvrir là? Oui, normalement. Ouais. Est-ce que j'ai entendu, il y aurait peut-être bientôt des nouveaux patrons. Ah d'accord. Le patron, d'après ce que j'ai compris, Sam. Bon, je crois qu'il est parti. Compris, il est plus là, ouais. Il est plus en ville. Et du coup, il aurait fait un autre business dans une autre ville. Ah d'accord. Ok. Pourquoi ça vous intéresse? Ouais, je voulais postuler. Ah bah essayez. Bon, on sait jamais. Pour l'instant, j'ai postulé au garage du centre-ville. Ouais. Mais il y a déjà pas mal de monde pas et tout. À faire une demande au gouvernement pour récupérer le garage. Ouais, hein, bah, jamais, on sait jamais. Hein. Parce ah ouais, que, parce je sais même pas s'il y a un patron titré bah, déjà. Il y en a pas du tout, mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui le voulait après. Ah ouais voilà. Ah, okay. Que c'est ouais. Faisable ça. Bah ouais, vous faites un dossier. Si je pense que votre dossier est meilleur que le sien, vous l'aurez peut-être, clairement. Faut ouais, enfin, moi je débarque juste, j'ai les pages vides, je vous avoue. Imaginez. Ah, mais vous savez. Je peux vous dire que le mécano dans le Nord il marchait bien à l'époque. Pose pas du tout un problème. Ouais, mais bon, après, s'il me demande d'investir, j'ai aucun moyen quoi. Non, non, il vous demande pas d'investir, il vous demande de payer en un mois. Ouais, voilà. Vraiment faisable. Ah, d'accord, ok. Alors, je pense essayer, ça coûte rien. Imaginez. Ouais, ouais, bah. Ah, pas con, ouais, je vais faire ça. Vous allez monter un dossier. Et hop. Je vais faire ça ce week-end, ouais. Ok, super. Ah, merci du conseil, ouais. Ça pourrait être génial. Ouais, parce que c'est ce que je faisais juste avant de venir ici, ouais. J'avais aussi un garage avant, mais à Liberty. Et on a dû le fermer à cause d'un gros concurrent local, et du coup, on a débarqué ici. Ah si oui. On pouvait repartir sur la même chose, ce serait génial. N'hésitez pas et à faire des tarifs beaucoup plus avantageux que le putain de Bénise, là, qui fait ouais, des tarifs... Ouais, bah, c'est ce qu'il faisait avant, ouais. Il faisait un peu moins cher, etc. Je reviens. Franchement, bah, je vous demanderai des conseils. Il faut même payer le lavage. Oui, les stations. Non, mais les stations automatiques, c'est gratuit, déjà. Et vous voyez, nous, ce qu'on faisait, en fait, à Liberty, on offrait le lavage et le plein aux clients. Ah non, mais non, c'est pas une question d'offrir. Étant donné qu'il y a des stations de lavage qui font ça gratuitement, c'est ouais, juste ouais. Normal de faire le lavage gratuit. Ouais, mais c'est eux, ce des ouais. Fois, ils nous le font payer, les tarifs sont mais incroyables. Ouais, des fois, c'est abusé. Ah ouais, ouais. Okay. Bien sûr, mais moi, j'avais fait des... Bah, sur mon taureau, j'en ai eu pourquoi je sais plus. Admettons, j'en avais eu pour 4000 balles pour tout ce que j'ai fait dessus. John qui lui a fait le même genre de modification, il en a eu pour le double. Ah ouais, c'est qu'en plus les prix sont ouais, pas fixes. Voilà, c'est... Ah non non, bah c'est chacun. On va dire c'est à la tête ouais. Combien tu veux mettre. Ouais, c'est ça. Ah bah, ouais, non, d'accord. Non, mais le Beniz en gros c'est. Non non, moi je les ai fait à l'autodidactique et lui il l'a fait au Beniz. C'est genre ouais, bah, y a un double différence. Hein. Ah bah écoutez, je vais garder votre contact et si jamais ça aboutit un peu, je viendrai vous demander un peu votre avis et. Des conseils si vous connaissez un petit peu les tarifs vous actuels avez, et si je reste en ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Du coup, ouais, nous on y allait souvent avec la BCSO. Moi-même j'ai fait un custom là-bas. Je vous dirais un peu. Ah, moi, je sais que j'ai payé toujours moins cher là-bas. Ouais. Ouais, voilà, ouais, je passerai venir voir le BCSO alors. Ouais, voilà, pas de soucis. Super. Et je sais qu'on payait beaucoup moins cher, franchement. Bah, il se faisait presque pas de marge. Il se faisait genre 500 dollars maximum de marge quoi. Alors qu'au Beniz, ils se font. 5 000 $ de marge. Clairement. Ils se prennent une bonne marge à au moins 50%. Moi, je peux vous le dire, la voiture que vous voyez là, j'ai payé au total 3 000 $ pour refaire juste la peinture. Ah ouais. Voilà. Ouais. Alors que moi, l'auto exotique, j'avais payé quoi 900 balles pour la peinture. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a vraiment une différence. C'est la marge qui se font dessus, c'est. C'est incroyable. Bah, ils savent qu'ils ont le monopole. Ouais, voilà, ils savent que là ils sont seuls et qu'on est obligé d'aller les voir. Ah bah super, merci du conseil. En tout cas, je vais préparer ce dossier ce week-end du coup. Ouais, pas de soucis, et n'hésitez pas d'aller voir les locaux, hein. Comme ça vous prenez des photos pour bien leur montrer, etc. Hein. Ah, ok, ça marche. On sait jamais. Bah, merci beaucoup. Et du coup, par contre, je vais vous laisser. Je vais aller, je pense, me coucher là. Ouais, pas de soucis. Ouais, pas de soucis. On va rentrer bien à l'hôtel. Hein. Merci. Et merci pour la soirée, pour le petit événement. Là, c'était vraiment sympa. Mais pas de soucis. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée, bonne nuit. Merci. Nickel. Bon. On va attendre que tout le monde parte et on partira après, Ashley. Ouais. Les motos.
motos devraient... Wow, les motos devraient être récupérées un peu plus tard. John... Oui, j'ai dit, il y a une personne qui voulait faire un tour en moto, je lui ai dit non, mais le camion récupère les motos, genre une demi-heure. Ouais, ouais, ouais. Bah, je sais pas si c'est une moto d'ici, mais j'en ai croisé une tout à l'heure, abandonnée. Alors je sais pas si elle venait de là ou quoi. Normalement, on a aucune après, à si fumée noire. J'ai voulu voir si ça appartenait à qui, mais ça appartenait à Abdul. Mais il n'existe pas. Ouais, après, vous avez, de toute façon, les véhicules là, c'est des véhicules de location. Ouais, bah ouais. Je sais pas c'est quoi les noms des plaques, quoi. Et vu comment ça fumait noir, de toute façon, il y a la fourrière qui passera, je pense, sur la route. Ouais, je vois, je vois. Ouais, ouais. Je pense pas que c'est un véhicule d'ici. Je pense pas, non, parce que c'était proche de Sandy Shore et vu qu'on en trouve aussi pas mal là-bas. Mais c'est vrai que oui, non, c'est presque le véhicule le plus populaire là-bas. C'est clair. Là, 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 là. Bon. Bon bah moi je vais attendre le mécano qui doit venir me voir après. Et après j'irai peut-être à l'hôtel aussi. Après qu'il vienne me voir. Ouais, je pense que je vais faire de même. Je vais peut-être passer à l'hôpital d'abord. Et du coup là ça va être quoi votre prochain événement? Vous savez ou pas du tout? Notre prochain événement, non, pas du tout, pas du tout. On verra, on verra. Pour être honnête, on verra même si on garde Mermaid. Hein. Ouais. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que ça nous intéresse plus forcément, et puis même de rester comme ça en ville, là... Ouais, je comprends. Voilà quoi. Ouais, bon, après, c'est... ça arrive. Hein. Des fois, vous prenez un peu de repos, vous allez vous prenez une semaine de vacances, c'est ça, ou c'est je ça. Sais pas combien, et hop. Et des fois, vous revenez d'un coup. Et on revient plus fort. Ah, c'est ça. Hein. Des fois, faut faire des petites pauses. Moi, des fois, c'est ce que je fais. Hein. Là, j'ai fait un petit RTT de 3-4 jours, et je suis revenu, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, attends, viens avec moi. Ou je sais pas où on va. Vas-y, monte au pire. Non, non, c'est bon. Oh, moi, je vais vous laisser. Hein. Je retourne au BSSO. Bah, s'il y a besoin, n'hésitez pas, pas à m'appeler. Hein. Y a pas de soucis. Par contre, je suis tout seul en service. Alors, si je prends du temps des fois, mais je répondrai au cas où. Hein. Ok, bah, pas de soucis. Okay, okay. Voilà. Bon, normalement, on devrait pas avoir besoin de vous. T'as retiré ta plainte, HLM, d'accord? Normalement, oui. J'avais des plaintes à retirer. Je les ai faites, normalement. Comment il s'appelle? Ouais, oui, de toute façon, j'ai les plaintes devant moi. Bah, enfin, j'ai vu tout à l'heure. Parce que j'attendais quelqu'un pour une plainte, mais il n'y avait pas la chaîne. Ok, c'est bon ça. Bah, parfait. Voilà. Bon, bonne journée à vous. Hein. Bonne journée. À la prochaine. De même. À la prochaine. Sympathique comme voiture. Surtout qu'on a de l'expérience en gestion de garage. Bah ouais, du coup, faut qu'on travaille là-dessus. Et relève les prix. Ouais, je pense que... Alors voilà, on a reçu un petit appel. Allô. Oui, bonjour, madame Ashley. Oui, c'est moi. Oui, c'est... Rémi? Oui, c'est ça. Vous êtes à la SPT, là, du coup? Ouais, mais il n'y a personne. Ouais, il n'y a personne. Le souci, moi, c'est que je peux pas ouvrir leur porte pour aller dans leur bureau. Du coup, si ça vous dit, je vous fais pas monter jusqu'à Paleto, mais on se retrouve à Sandy Shore, au commissariat. Le truc, c'est que là, notre voiture est à sèche. Après, elle est pas à sèche. Ok, bon, sinon j'arrive rapide, mais ça prend un peu de temps, mais j'arrive sinon. Et je suis à Paleto. Je vais prendre au commissariat au moins, je pense. Parce que notre voiture elle tiendra pas en fait. Ok, bon, bah j'arrive. Restez là-bas. Merci en tout cas. De rien. Ok, on y va.